Je me suis réveillé ce matin, il y avait un nouveau jeu mode Lego. C'est pas si long, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il y aura le temps pour une vidéo. Vous verrez si la vidéo sort. Ça s'appelle Lego Hobby Fun, c'est un peu, je pense, un parcours d'obstacles. Bah, ça, hein. Je peux pas mettre en public. Bah, de toute façon, j'avais pas envie de jouer avec des gens, en fait. J'aime pas les gens. Ça se trouve, c'est pas fun, hein. Ça se trouve, je fais une vidéo, la vidéo va pas être fun. Il y a un deuxième mode de jeu qui est sorti. Et là, Raph Survival. Ça doit être un jeu de survie, on verra. De toute façon, il y aura une vidéo pour lui, une vidéo pour le mode de survival, hein. Comme ça, il y a plusieurs vidéos, ça vous régale. Plusieurs minutes. Ok. Mettre le jeu en épique en fait. Je veux aller en épique en fait. Je veux qu'il y ait des rich checkpoint. Ok, donc ça checkpoint. On peut courir, on peut pas esquiver comme dans Lego Fortnite. Ok, il faut aller là. Plateforme 2, 3 friends. Donc Lego friends, je suppose. Ça a pas l'air si compliqué. Les plateformes s'en vont. Ok, je suppose que c'est un peu comme Only Up. Il y a un parcours d'obstacles de plus en plus compliqué. De base, là, c'est le. La prairie, après ça va être l'enfer, ok. Et on a le premier checkpoint, on gagne de l'XP. Faire des briques de Lego avec des briques de Lego, non, c'est fort. Checkpoint. Tu te fous de ma gueule? Ok. Ok, la ville, je suppose, on rentre un peu dans la ville. Après, pourquoi un checkpoint? Ok, je suis mort. Il y a eu le cri de Willem, voilà. Ok, la prod, elle devient dingue. Et la jerk. Alors, j'ai dit que ça a pas l'air très long. Faut savoir que j'ai pas joué à Fortnite depuis perpète les oies. Hein, que... Non mais... Non mais, c'est un truc officiel de Lego, comme vous voyez. Lego Group, il y a le code en haut, regardez. Il y a 3 secondes. 1, 2, 3, c'est fini, c'est bon. Je... Pas normal. Ok. Un petit checkpoint. J'ai le checkpoint. Oh, le skatepark, nickel. Vous allez dire si les gens me suivent sur Instagram, mais non. Mais j'ai acheté un skate, voilà, récemment. J'ai peut-être pas d'emploi, mais j'aimerais bien faire du skate, du coup j'ai acheté un skate. Pour l'instant, je suis très nul, hein, je tire un pas dessus. Mais voilà, ça me fait plaisir. Je prends du fun. Donc ça veut dire que s'ils ont fait ça sur le créatif, c'est à dire qu'on va pouvoir le faire. Et ça, j'ai hâte de vous proposer ça parce que j'ai fait plusieurs maps en UFN qui se le font jamais sorti parce que j'avais pas le code créateur, donc je pouvais pas publier les maps, mais j'avais fait genre des big races avec toutes les voitures. J'avais fait un truc où genre il y a Travis Scott animé en géant qui explose une chambre. Genre c'était un peu comme dans Toy Story. Fail 8, j'ai envie de me tuer. Et du coup c'était cool, mais je pouvais pas le release. Enfin, je mettrais des vidéos si je en retrouve, mais normalement je trouverais pas. Désolé. J'ai l'impression que parfois les blocs sont genre la hitbox des blocs est plus grande que les blocs en eux-mêmes. Du coup, c'est un peu buggé. Nouveau checkpoint, le classique 1. Des chaussures, des licornes, encore des chaussures. Je déteste. Je déteste ce mode. J'espère que le mode survival sera un peu plus marrant. Toute la vidéo, c'est moi qui fais. Ok. 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 Wow! Il y a marqué un truc ou c'est. Ouais, non, ok. C'est. Alors, j'ai l'impression d'être dans le monde du Nikiti, dans le film Lego. Il fête ses 10 ans, hier ou avant-hier, je crois. Je l'ai... Waouh! C'est le truc liqué. J'ai été le voir en salle le premier jour avec mon cousin. Attends, voilà. Super bon souvenir, si vous voulez un avis. J'ai kiffé, étant grand fan de Lego. Non! À mon anniversaire, j'ai eu la maison Lego Simpson. Avec Mario Kart 16, j'étais super heureux. Voici une photo. Je la retrouve, et normalement, je la retrouverai. J'avais un smile. Allez, hein. Donc, j'ai l'impression qu'ils font un peu toute leur collaboration, c'est de la pub. Hein. Moi, la seule chose que j'ai hâte actuellement, c'est Disney. Parce qu'il y a une grande collaboration Disney, ils ont mis ça. En mode ouais, Disney Infinity, un peu comme les Skylanders, où genre t'avais Jack Sparrow en figurine, un peu comme les Skylanders et tout. Et c'était un mode super, c'était un jeu super sur la Wii U. Je crois que je l'avais sur la Wii U. Et s'ils font ça avec Fortnite, où genre il y a des figurines Fortnite en vrai et tout, avec un portail peut-être, juste pour des cosmétiques en plus, mais... Ça pourrait être super cool. Disney a investi 1 milliard dans Epic Games. Il n'est pas prêt de mourir. Il faudra un jour parler de la longévité de Fortnite. Comment il peut ne pas mourir après toutes ces années. Faut savoir que moi, les Death Run Fortnite, là où c'était la mode, je détestais. Hein. Tous mes potes voulaient en faire. J'étais dégoûté parce que j'étais nul à chier. Et ça continue. Je suis à chier. Je faisais 56 morts sur un truc. J'arrivais pas à sauter tout le carré entier. T'es à chier. Si vous... Mais s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être à Zara avec la playlist. Là, c'est... Pourquoi il saute pas haut? 18 morts. S'il vous plaît. Oh oui. Ça fait même pas de notes quand on marche dessus. Il y a combien de trucs, de plateformes? Là, je suis à 180, comme vous pouvez voir en haut, mais 300, non? Je sais pas, 200? Pas l'air d'en avoir 200. C'est Rovan, j'en ai marre. Qu'il est pas fun, on s'amuse pas. Genre, j'ai compris qu'il fallait... Ok, en 3 jours, on va voir un mec sur Twitter le finir en 3 secondes avec un speedrun de dingue, là. Faut que ça m'amuse, moi, d'être à chier dans les jeux comme ça.
on fait des blagues. Il y a un mec qui m'a rejoint. Il m'a rejoint, il est à 6. Ou non, il m'a rejoint, je pense que je me tue. Pour vous dire comment je suis. Il m'a rejoint chez... Je vois, c'est un abonné. Il doit dire, putain, nouvelle vidéo de oui. Oh non, il m'a rejoint, je pense que je me tue. Je lui offre 10 000 euros. Mais c'est bon, il a perdu. Il était à 21, il a tout perdu. Si je finis avant sans mort, je pense que pour moi, c'est une réussite. Ça se trouve, c'est même pas la fin. Ça se trouve, c'est même pas la fin. J'étais dessus. Je vais me tuer. On voit rien. C'est même pas fun. C'est Kiari. Le mec de Lego, il s'est dit on va rire. J'étais presque. J'ai envie de pleurer. La vie m'a enlevé un cœur. Il ne me reste plus que deux. Il a pas sauté. Comment il a fait pour me rejoindre sur invitation? Je vais le faire craquer, mais s'il sait pas qui je suis. J'ai vu des plateformes se créer là-bas, c'est pas la fin. 100% c'est 400. J'ai envie de casser des choses, je n'ai plus la patience. I don't have the patience, man. C'est une blague, j'ai même pas bouché. En fait, il n'y a pas eu de... Genre, la mise en difficulté n'a pas été progressive. C'est genre, petite plateforme avec des chiffres qui font 56 mètres de large. Ah, on va te faire marcher sur un coton-tige. Frérot, c'est quoi ça? Même Maître Wu, il a pas marché sur ça. Je t'étends une shot. Yes. Non, lui, il est simple. C'est bientôt la fin. En fait, j'arrive pas à me rendre compte de la 3D, vu qu'en fait, tout est très proche. On peut pas baisser la caméra et voir la hauteur. Vous voyez? Genre, on se rend pas compte que ça va si bas. Si? Ou c'est juste moi qui... Regardez, là, pour moi, j'étais dessus. Je vous jure que c'est pas une excuse. Il y a moyen, on peut l'égorger. Ok, non. Je n'enlève pas l'objectif de mort. Pour moi, c'est toujours possible. Moins de 100 morts. Oui, j'ai mis 50 morts à la... Il a glissé. Non, mais là, par contre, c'est plus de ma faute. Désolé, mais c'est plus de ma faute. Ça me gratte tellement. Ça me stresse. Les jeux vidéo rendent violents. Oh là là, le oui d'il y a 3 secondes n'aurait jamais fait ça. L'objectif des 100 morts, on le sent partir, ça devient déjà un fantôme. J'ai jamais été aussi concentré de ma vie. Non. Je me mords tellement je suis fou là. C'est bon. De rien faire. Il a fait sa tête sur le truc, il aurait pas pu mettre sa tête, mettre ses dents comme ça, comme un piqué dans la montagne, là, comme Inoxta qui va monter l'Everest là. Inoxta qui va monter l'Everest, j'en ai rien à foutre, d'accord? C'est ça mon Everest à moi. J'en ai rien à foutre du gain de niveau, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Il m'a rattrapé. Faut que je finisse avant lui. Faut que je finisse avant lui, s'il vous plaît. Il me stresse. Écoute-moi bien. Viens, on finit. Il va finir en 3 secondes. Je me sens humilié. Regardez comment il me regarde. Il est dépité. Il fait putain la honte. Je l'ai dit, s'il finit avant moi, je lui offre un skin, putain. Allez, s'il te plaît. Il est mort. Non, il fait un peu de la peine. 4 morts, il me reste 4 morts, d'accord? J'irai pas jusqu'à 200, j'en ai marre. 4 morts. 4 morts et je paye son silence. Non, 3 morts. Deux morts. Une mort. Il va l'avoir son skin. Hein. Il va l'avoir son skin à 1500. Programme, ProGamer. J'ai payé ton silence, d'accord? J'ai payé ton silence. Je n'en peux plus, ProGamer, d'accord? C'est quoi, on va lui ouvrir le singe? C'est bon, j'en ai marre. ProGamer 02, je paye ton silence, ok? Paquet cadet. Waouh, paquet cadet. Paquet cadeau. Multicolore de fou. Tiens. Je fais ton silence, ok? Avec le singe. Abonnez-vous, j'en ai marre, ça fait une heure que ça tombe. La vidéo va sortir dans 45 ans. Abonnez-vous, likez. Code créateur Wiz dans la boutique. A plus.